On repart ça avec la périodisation pour l'hypertrophie maintenant. Ça va être en fait exactement pareil au niveau du macro, des méso, micro. Donc, je ne répéterai pas ça. Vous avez la diapo présentement sur l'écran. C'est sûr que le reste, les splits, les méthodes qu'on va voir par la suite vont être différentes. Donc, au niveau de la définition du macrocycle, on va avoir quatre phases encore, comme on l'a mentionné. Ça va être très similaire que la composition corporelle, mais évidemment, là, les structures des programmes vont être différentes. On va commencer en hypertrophie et on va aller par la suite en force. Donc, cycle 1, hypertrophie, cycle 2, force, et on va répéter de façon ondulatoire, hypertrophie et force à nouveau. Donc, quand on va faire la périodisation tantôt sur le modèle, pour bâtir une périodisation du cycle 1, vous allez voir, j'ai fait exprès de la mettre en linéaire parce que je vais vous présenter un autre modèle. Je ne voulais pas utiliser le même modèle ondulatoire qu'on a utilisé pour la recomposition. Donc, ça va vous donner un autre aspect et comment que ça devrait être orienté une périodisation linéaire à ce moment-là. Donc, périodisation linéaire, vous le voyez à l'écran, on a encore notre macro annuel sur 4 cycles, mais cette fois-ci, on n'a pas d'accumulation ou intensification. On est plutôt en force-endurance pour commencer. Par la suite, vous allez tomber en hypertrophie, vous allez faire de l'hypertrophie fonctionnelle et de la force relative par la suite. Ces termes-là sont attitrés à des valeurs de schéma de répétition au niveau du pourcentage du RM qu'on verra tantôt quand on va monter la périodisation. Ce n'est pas des termes qui sont familiers pour vous. Vous avez juste à les cliquer en ligne, vous allez voir, vous allez avoir une belle définition, ça va vous expliquer un peu c'est quoi. Donc, périodisation annuelle en hypertrophie pour la population générale. Les splits d'entraînement qu'on utilise le plus, vous l'avez vu sur la diapo juste avant, upper-lower split, donc haut, bas du corps. Typiquement, un microcycle, ça ressemble à quoi? Vous allez avoir, exemple, votre lundi haut du corps, le mardi au bas du corps, le mercredi en pause, le jeudi, on repart avec un autre entraînement du haut du corps, complètement différent que le premier, et on va finir le vendredi avec un entraînement du bas du corps encore. Donc, vous allez répéter ce microcycle-là sur 3 semaines et ensuite changer de programme d'entraînement. Pour la population générale, c'est vraiment le split qu'on utilise le plus. Il arrive parfois qu'il y a des anciens athlètes qui vont recommencer à s'entraîner, des gens qui veulent vraiment optimiser leur composition corporelle, mais ils ont déjà perdu beaucoup de gras, donc ils veulent augmenter seulement leur masse musculaire. On va aller chercher des splits plus de type bodybuilding, donc des push-pull. On va avoir également des full body, mais vraiment moins que le upper-lower split qu'on utilise vraiment en majorité. Pour vous donner une idée, un split de bodybuilding, c'est vraiment là, le classique. Vous allez faire, par exemple, bras, épaules le lundi. Après ça, le lendemain, vous faites un lower complet. Donc, vous allez avoir chaîne antérieure, chaîne postérieure dans cette journée-là. Vous allez prendre un jour off le mercredi. Et après ça, vous allez recommencer avec un entraînement pour le chest, pour le dos. Donc, typique entraînement bodybuilding. Évidemment, il va y avoir des méthodes attitrées à ça. Mais comme je vous dis, à peu près 80% des gens qui viennent nous voir à I1 vont avoir le split upper-lower. Donc, je vous parlais tantôt des types de programmes dans la grosse périodisation du macro annuel qu'on a regardé ensemble. Vous avez vu force-endurance, hypertrophie, hypertrophie fonctionnelle, force relative. Donc, je vous disais que c'était attitré à des braquettes de schéma de répétition, donc des pourcentages de votre 1RM. Si on regarde la force d'endurance, eh bien, évidemment, ce que vous voulez travailler là, ça va être dans un continuum où ce que vous allez limiter les facteurs d'hypertrophie et plus travailler l'endurance musculaire. Si vous tombez dans de l'hypertrophie, bien là, vous êtes dans le début du continuum des facteurs qui vont influencer le gain en masse musculaire. Vous êtes, par exemple, entre du 8 à 12 répétitions. Et pour après ça tomber dans l'hypertrophie fonctionnelle, qui va être, je dirais, le meilleur des mondes entre le gain en masse musculaire et le gain en force. Donc, vous allez être entre 4 et 6 et 7 répétitions. Et pour finir, avec la force relative, qui va être l'autre côté du continuum complètement, où ce que vous voulez augmenter vos gains de force au maximum en limitant les gains en masse musculaire. Exemple, vous avez des gens qui vont venir me voir, surtout des femmes qui ne veulent pas le prendre de muscle, exemple, qui ont déjà une composition corporelle respectable puis qui veulent être plus forts, être plus fortes. Donc, on va faire un entraînement de force relative pour être sûr qu'ils ne gagnent pas de muscle à ce moment-là.
Un peu comme avec les splits d'entraînement, on disait qu'on utilisait à peu près tout le temps Upper Lower Athletic One, les supersets antagonistes, surtout pour la population générale, vont être vraiment souvent utilisés. La raison majeure, c'est qu'en fait, vous allez gagner du temps avec ces splits-là, avec cette méthode-là, pardon. Donc, vous avez quelqu'un qui rentre, qui va venir s'entraîner 4 fois semaine, qui a 1 heure à peu près d'entraînement à faire. De faire, par exemple, 2 journées dans la semaine où on va travailler des muscles antagonistes, ça nous permet de, par exemple, faire un exercice de chest, prendre le temps de repos, aller faire du dos, prendre le temps de repos et de revenir à l'exercice de chest. Ou normalement, avec un training classique plus de série récup, puisqu'on aurait un entraînement de chest complet, une autre journée pour le dos, on va faire en fait le même volume d'entraînement, mais en moitié de moins de temps. Donc, c'est le gros avantage du superset antagoniste. Et c'est une des raisons pourquoi, avec la population générale qui n'ont pas beaucoup plus de temps que de faire 1 heure, qui ont 4 fois par semaine, on essaie de limiter finalement avec les meilleures méthodes. Encore, c'est toujours ça, la périodisation, c'est d'utiliser qu'est-ce qui est optimal pour l'individu qu'on a en face de nous. Un peu comme avec le reste, à Athletic One, on va également utiliser, selon les demandes spécifiques du client, selon les besoins, d'autres méthodes comme des supersets plus classiques agonistes, des trisets, des giant sets. Mais la majorité du temps, comme je mentionne, ça va être superset antagoniste pour les raisons qu'on a mentionnées. Les paramètres d'entraînement au niveau quantitatif qu'on va utiliser et qu'on va périodiser sont très similaires à ceux de la composition corporelle parce qu'évidemment, on ne peut pas réinventer les variables de volume. Par contre, on va ajouter une dynamique qu'on n'avait pas dans la composition corporelle. On n'avait pas un facteur vraiment d'intensité. C'était vraiment les méthodes qu'on sélectionnait, le type d'entraînement qu'on va faire pendant la séance. Mais il n'y avait pas une variable quantitative d'intensité comme on va avoir dans le modèle hypertrophie. Donc ici, quand je parle d'intensité, je veux dire le pourcentage, en fait, du schéma de répétition que vous allez sélectionner. Fait qu'exemple, vous sélectionnez un schéma de répétition de 12 répétitions, vous allez être à 70 % du RM pour effectuer votre phase d'entraînement complète, donc votre mésocycle, va être à 70 % d'intensité. Si vous sélectionnez du 4 à 6 répétitions, vous allez être à 83 % d'intensité. Donc, dépendamment de ce que vous sélectionnez, donc le travail de l'entraîneur, c'est ça, c'est de déterminer, par exemple, dans la première phase, avec quel pourcentage je devrais travailler pour optimiser les résultats du client, puis surtout répondre aux besoins individuels de chaque individu. Fait qu'une personne peut commencer à 70 %, un autre à 74 %, ce qui va déterminer ces facteurs-là. Évidemment, c'est le questionnaire, l'évaluation, où la personne est rendue dans son cheminement. Mais c'est des décisions qu'il faut que vous preniez en tant qu'entraîneur. Le modèle qu'on va monter ensemble aujourd'hui, comme je vous parlais, ce n'est pas le modèle qu'on utilise à Athletic One, c'est un modèle linéaire. Donc, vous allez voir la différence entre l'ondulatoire. Vous allez avoir une belle perspective pour voir entre l'ondulatoire, composition corporelle et le linéaire. Ça vous en fera 2 pour vous fier et pouvoir créer vos propres périodisations par la suite. Les variables de volume importantes vont être évidemment le nombre de séries totales, les totales des répétitions, le tempo sélectionné et oui, le temps sous tension, pas aussi important qu'en composition corporelle, surtout pour la population générale. Mais évidemment, le but, c'est d'être capable de tolérer un peu plus de volume au fur et à mesure qu'on avance en entraînement. Donc, l'idée, ça serait quand même qu'on voit d'un macrocycle d'hypertrophie à un autre qu'il y ait une avancée au niveau de la quantité totale de temps sous tension qu'on a. Donc, c'est quand même une valeur importante. Mais si on n'a pas des objectifs vraiment d'hypertrophie vraiment là, précis, c'est pas aussi important que d'autres valeurs. Périodisation linéaire hypertrophie, on a, pour ceux qui ont déjà complété la formation composition corporelle, le bloc de composition corporelle, on tombe sur l'hypertrophie. Vous allez la même quadriller avec les éléments autant qualitatifs et quantitatifs qu'on va rentrer dans notre périodisation. Je vous rappelle, c'est un cycle de 12 semaines. Donc, ce n'est pas un macro annuel qu'on a ici. C'est vraiment 4 programmes juxtaposés pour un cycle d'entraînement très précis. Et celui-là que j'ai sélectionné, ça serait votre cycle 1, donc celui qu'on a vu tantôt sur la périodisation annuelle, qui était le force endurance, qui serait votre départ avec votre client à ce moment-là. Donc, vous voyez, comme on avait à composition corporelle, on a des full body à chaque phase d'entraînement. Ici, l'ensemble de nos phases vont être upper, lower. Et je vous le rappelle, c'est notre outil numéro 1 Air One pour la population générale. C'est ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui répond le plus aux besoins de ce type de clientèle-là, selon nous. Pour les types de programmes, vous allez avoir 2 programmes de suite qui vont être de la force endurance.
Donc, vous allez avoir deux intensités d'entraînement, de type d'entraînement, au niveau autant du volume de l'intensité, qui vont respecter les paramètres pour rester dans la force-endurance. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est dans un cycle de force-endurance, que toutes vos phases d'entraînement vont être force-endurance. Mais les deux premières, oui, parce que de façon linéaire, on va sortir d'une basse intensité et d'un haut volume vers une intensité plus haute, vers un volume plus léger. Donc, les deux premières phases, je vous rappelle, force-endurance, et on va tomber après ça, deux phases d'hypertrophie pour les deux derniers mésocycles de ce cycle-là. Je vous mentionnais tantôt ce qu'on utilise à Air One, superset antagoniste. Ça va être des superset antagonistes à chacun des mésocycles, dans le meilleur des mondes. Si jamais vous avez des clients plus particuliers, ça se peut que ça change. Mais pour comme encore, je vous rappelle, je vous donne ici votre plan de match numéro un. Je veux que ça soit vraiment, tout le monde parte avec les mêmes bases. Puis après ça, évidemment, éventuellement peut-être venir faire la formation fondement de la périodisation et programme design que j'offre tout le week-end, qui est vraiment plus dans les détails. On va voir des trucs beaucoup plus poussés avec beaucoup plus de variables. Mais en ce moment, c'est une mini-formation juste pour goûter un peu c'est quoi faire de la pério et avoir une méthode de travail précise pour pouvoir partir demain matin puis vous êtes capable de prendre votre premier client puis de monter une périodisation comme ça. Si tantôt, en composition corporelle, on avait une ondulation au niveau du nombre d'exercices, dans la périodisation hypertrophie linéaire, vous allez voir le nombre d'exercices va chuter plus qu'on va avancer dans les phases. Donc, on commence à 10 exercices quand on va être en endurance, en force-endurance. On va diminuer à 8 pour la deuxième phase de force-endurance. Et par la suite, on va faire 8 encore pour la première phase d'hypertrophie et tomber à 6 pour la dernière phase d'hypertrophie. Évidemment, le but, c'est de diminuer le volume et d'augmenter l'intensité. Vous auriez d'autres mécanismes. Vous pourriez avoir chacun des programmes d'entraînement qui soit à 10 exercices puis faire modifier le total des 7, sélectionner des chaînes de répétition différents. Vous avez pu varier un paquet d'autres trucs, mais j'ai choisi de vous montrer que c'est possible d'appliquer la périodisation linéaire sur chacun des paramètres d'entraînement qu'on a sélectionné. Okay? Le total des 7, ça va être la même chose. On passe de 25 à 24, puis de 20 à 18 quand on tombe dans les phases d'hypertrophie. Vient ensuite la sélection des chaînes de répétition. Très important, comme je mentionnais tantôt, ça va être attitré à des pourcentages spécifiques. Donc, si vous choisissez, comme dans la périodisation qu'on a montée ici, de choisir 20 répétitions pour votre première phase de force-endurance, vous allez être à 20 répétitions, donc à 60 % de votre 1RM. Donc, comment ça fonctionne pour vous donner un exemple? Encore une fois, vous prenez par exemple votre bench press, votre 1RM maximal, c'est 225 livres. Vous faites 60 % de ce 225 livres-là, ça devrait donner votre charge pour 20 répétitions. Okay? Ça ne veut pas dire que vous êtes capable de faire 20 répétitions avec, ça vous donne une idée théorique pour être capable au moins d'avoir une idée c'est où votre range de travail. Par la suite, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut diminuer le volume parce qu'on a une progression de l'intensité vers le haut, donc le volume faut qu'il descende. On va faire du 15 répétitions, donc on tombe à 66 % pour aller vers du 12 dans la première phase d'hypertrophie, qui va nous donner 70 % et terminer à 74 % pour 10 répétitions dans la dernière phase d'hypertrophie. On en vient maintenant au total des reps. Contrairement à la composition corporelle où on avait une ondulation, ici, non seulement il y a une démarcation entre l'effet linéaire de diminution du volume, mais il y a également une démarcation entre le profil du nombre de répétitions qu'on fait en force-endurance, hein, beaucoup plus de répétitions que quand on va arriver en hypertrophie. Donc, quand vous regardez, on passe de 500 à 360 et quand on tombe en hypertrophie, de 240 à 180. Donc, il y a quand même plus que le double de diminution des répétitions de la première phase à la dernière. Pourquoi? Parce que, évidemment, on ne travaillera pas à la même intensité de travail. Okay? Donc, il faut s'assurer que les systèmes physiologiques vont récupérer. On ne peut pas garder du high rep tout le temps en même temps de monter l'intensité de travail. Ça ne fonctionnera pas, la personne va crasher, puis on n'aura pas la surcompensation qu'on cherche, on n'aura pas les résultats qu'on cherche avec notre client pour les gains en masse musculaire. Du côté des tempos, j'ai choisi également de faire une progression linéaire. Évidemment, si on a beaucoup de répétitions et on veut avoir une progression linéaire au niveau du temps sous tension, on n'a pas le choix de commencer avec des tempos plus bas et ça ne ferait pas de sens non plus de faire du 20 reps avec du 5-0-1. Okay? Donc, j'ai choisi un tempo très court parce qu'on fait beaucoup de répétitions. Donc, un 2-0-1 qui donne un total de un tempo moyen de votre séance. Hein, le average tempo, c'est ça que ça veut dire, c'est le tempo moyen de votre séance. Prenez tous les exercices, vous additionnez le tempo, vous le divisez par le nombre d'exercices, ça vous donne un tempo moyen.
et ça fait partie de la méthode de travail pour être efficace avec un fichier Excel, vous avez immédiatement le calcul automatique de votre temps sous tension, qui est une valeur pas aussi importante qu'en recomposition, comme on parlait tantôt, mais quand même, qui demeure un élément de progression au niveau du volume. Donc, évidemment, si vous avez tout placé vos paramètres d'entraînement de façon efficace, vos variables respectent l'idéologie de la périodisation linéaire, vous devrez finir avec un temps sous tension qui est très, très loin de ce que vous avez commencé lors de votre première phase. Et là, on est juste dans le premier cycle d'entraînement. Donc, on est 9 semaines plus tard, vous arrivez à votre dernier cycle d'hypertrophie, puis on a déjà baissé presque de la moitié au niveau du temps sous tension. C'est ça, la périodisation. Ça vous permet d'avoir une orientation, un planning de ce que vous voulez faire. Et peu importe le modèle qui vous plaît, là, vous avez une façon de pouvoir entrer vos données, de pouvoir entrer les portions qualificatives qui vont déterminer quel genre d'intensité d'entraînement vous allez voir, peu importe si vous faites de la composition corporelle ou de la prise de masse musculaire.